Alléluia. Je vous ai dit la proclamation, il y a une puissance de Dieu. Dieu libère des miracles et des prodiges qui se réalisent. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux qu'on acclame le Seigneur avec des cris de joie. On acclame le Seigneur très fort. Parce que Dieu est bien sûr. Amen. Alors que ça soit dans la présence de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va te présenter nos invités. Bien-aimés, on va prendre un verset biblique. La Bible dit que le commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Je ne suis pas l'orateur. Et nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 2 à 4. Ce qui m'intéresse, verset 4, mais le verset 2, le 4 n'est pas prendre. Comme le temps est parfait, on va lire. Le saint est beaucoup parti, on va lire le verset 4. Puis Jésus lui dit, prends garde de ne pas le dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre une offrande que Moïse a prescrit afin que cela le serve de témoignage. Amen. C'est un lépreux. Ses mains étaient impures et la malédiction régnait sur lui. Parce que quand tu as la lèpre, c'est signe de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il a vu le Seigneur. Il a dit au Seigneur, s'il te plaît, rends-moi pur. Guéris-moi. Il a dit, je souhaite que tu sois pur. Amen. Jésus souhaite que tu sois béni. Il souhaite que tout ce que tu touches prospère. Il souhaite que tu sois dans l'abondance, tu sois dans l'élévation. Ce n'est pas le souhait de Dieu que tu sois célibataire. Ce n'est ni le souhait de Dieu que tu sois pauvre ni misérable. Ça, c'est le souhait du diable. Alléluia. Amen. Mais Dieu souhaite que tu sois béni. Amen. Et la Bible dit, cet homme a approché. Et Jésus dit, je souhaite, il a été purifié. Ses mains ont été guéries. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Voyez, il a été guéri physiquement. Mais Jésus dit, ta guérison n'est pas terminée. Amen. Amen. Jésus dit, ta guérison n'est pas terminée. Mais va te montrer au maître de la loi, au prêtre. Amen. Et fais l'offrande que Moïse a prescrit. Amen. Et quand tu vas faire l'offrande, ta guérison sera définitive. Alléluia. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Amen. Que si les sorciers avaient déclaré sur ta vie que tout ce que tu vas toucher sera mort. Mais par ton offrande, je déclare ce matin que la vie de Dieu va commencer dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout ce que tu touches dans ta vie meurt. Même quand tu engages des affaires, cela ne prospère pas. Quand tu t'engages dans le travail, il n'y a pas de promotion. Tout ce que tu fais, tu sens que rien ne marche. Tout ce que tu touches ne prospère pas. Mais ce matin, ta main sera déclarée pure. Amen. Ta main sera déclarée pure. Amen. Tout ce que tu touches sera béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu va se manifester par tes mains. La Bible dit que tout ce que Jacob, touchait, prospérait. Alléluia. Tout ce qui touchait prospérait. Et tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande, bien-aimé. Pour dire merci à Dieu. Parce que l'offrande que tu vas donner, bien-aimé, tu verras les prodiges dans ta vie. Amen.
Dieu nous a gardés et nous a protégés. Il a veillé sur toi. Et tu vas prendre ton offrande pour venir lui dire merci. Et ton offrande va parler pour toi. La Bible dit que la main de cet homme était purifiée. Ta main sera purifiée. Ta main sera bénie. Si quelqu'un maudit ta main, ta vie, au nom de Jésus, et par l'offrande que tu vas faire, je déclare que ta main sera bénie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas te tenir, tu vas venir faire ton offrande. La faiblesse de son corps et la
avec bien l'âge familial, je vais présenter les hommes de Dieu qui sont avec nous. Et quand on va finir maintenant, je vais présenter ceux qui sont là. Il est fondateur d'église. Amen. Voilà, il est au ici. Il a vraiment Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. J'ai vu Dieu faire des grands miracles au travers de lui. Alléluia. Et je vais venir, vous allez voir ce que Dieu fait. Acclamons le Seigneur encore une fois. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour sa vie et pour le travail de lui. Voilà, nous sommes là pour diminuer les instruments. Nous sommes là pour soutenir notre frère qui est membre de l'âge familial. L'âge familial est une plateforme, c'est une famille qui réunit des serviteurs de Dieu dans le but d'apporter le réveil spirituel dans cette nation et dans les autres nations de la terre. Amen. Amen. Et votre papa en fait partie. Et nous sommes là ce matin pour le soutenir dans cette grande fête qu'il a organisée aujourd'hui. Amen. Comme il l'a présenté, je suis secrétaire chargé de la communication et je suis venu avec mon vice-président et ses collaborateurs. Je vais présenter d'abord le secrétaire général de l'âge familial, qui s'appelle le prophète Barnabas. Nous avons aussi le secrétaire chargé à l'organisation, le prophète Israël Anou, il va se tenir debout en attendant de lui. Nous avons aussi le secrétaire chargé de la mobilisation, le prophète Francis Kwame, il va se tenir bon à la place de Dieu. Et je veux appeler ici le vice-président qui va vous dire rapidement deux mots sur l'âge familial. Le vice-président, le prophète. Alléluia. Que Dieu bénisse cette église. Et bénisse aussi votre papa. L'homme de Dieu, la vie, à la vie d'église, le ministère. Effectivement, l'âge familial, c'est, comme l'a dit l'homme de Dieu, le prophète Wilfried, l'âge familial, c'est tout simplement est impacter la vie des pasteurs. Amen, amen, amen. Afin que eux aussi, à leur tour, qu'ils fassent impacter la vie de leurs fidèles. L'âge familial, tous les pasteurs qui font partie de l'âge familial, vous entendez le mot familial. C'est-à-dire que c'est une famille. Là où le problème d'un pasteur, c'est le problème de tous les autres pasteurs. Amen. Tous les pasteurs qui sont dans l'âge familial ne sont pas seuls. Donc vous devez savoir que votre papa, il est ici avec vous. Il est dans l'âge familial. S'il a un souci, l'âge familial aussi a un souci. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien Alléluia. Amen. C'est des associations. Il y a des associations dans les, comme on appelle, sur la terre, dans le monde entier. Mais arrivé à un certain moment, ce qui fait que la famille doit exister n'est plus. Or ici, nous avons Jésus au centre de la chose. Amen. Et là où Jésus est, il nous met. Amen, amen. Voilà, on ne donne pas l'argent à quelqu'un pour lui dire, il faut venir faire partie de l'âge familial, mais c'est le Seigneur lui-même qui t'appelle. Et quand le Seigneur vous unit, il n'y a aucun démon qui peut nous désunir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame encore une fois le Seigneur. Voilà. Je pense que nous avons aussi, je pense que nous avons aussi notre, le prophète Anou. Il a déjà présenté aussi. Le prophète. Ok. Bon. Amen. Voilà. Donc, nous avons aussi parmi nous l'évangéliste, Alléluia. C'est une grande servante de Dieu, Alléluia. Et elle est vraiment dynamique dans l'œuvre de Dieu, je la vois souvent. Amen. Amen. Et je veux qu'on acclame le Seigneur puissamment pour l'évangéliste Esther, qu'on acclame le Seigneur, la servante de Dieu. Sarah, l'évangéliste Sarah, qu'on acclame le Seigneur très fort. Voilà, acclamons le Seigneur pour elle. Voilà, c'est tout pour vous. Amen.
Voilà, nous avons aussi parmi nous une maman comme moi. Alléluia. Voilà, depuis Adelaide, vraiment, elle m'a soutenu. Amen. Alléluia. Voilà, c'est elle-même qui a pris l'engagement pour dire viens chez vous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous avons ce témoignage ici. Appeler ici le président du président de l'âge familial. Voilà, donc en tant que Seigneur, c'est le prophète Marc. Oui, acclamons le Seigneur pour tout. Quelque chose ensemble, voilà, donc c'est que nous m'avons préparé pour nous manger, donc on va se tenir debout, on va prier pour la fin lorsque on a fini. Prions ensemble. Seigneur, je te rends la gloire, j'ai été au commencement. Et tu es aussi à la fin. Je prie aussi, Seigneur, pour la nourriture, que tu la sanctifies, que toutes celles qui ont préparé cette nourriture, tu les bénisses abondamment, et que la nourriture ne manque pas dans leur maison. Et que cette nourriture, Seigneur, nous donne la santé. Seigneur, tu bénis aussi les enfants qui sont là présents, que tu te manifestes dans leur vie. Donc, avoir participé à ce programme, Seigneur, que leur vie change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour avoir participé à ce programme en cette fin d'année, Seigneur, que tu protèges leurs enfants. Seigneur, après la guerre, les enfants d'Israël sont venus dire à Moïse que tout le monde est là. Je déclare au nom de Jésus, dans cette fin d'année,
jusqu'à dans le nouvel an, que toute ta famille soit présente. Amen. Béni soit ton âme, au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, tu peux saluer ton frère, le papa, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vais prendre tout jusqu'à lui donner les cantiques. Amen. Amen. Voilà, donc les hôtesses, prenez les chaises, allez dedans là-bas, rangez les chaises dedans. Rangez les chaises dedans, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous attendez, les servantes de Dieu, les mamans, attendez. Voilà. Attendez. Asseyez-vous, on va vous appeler. Laisse les gens de chaise bleue, prends les chaises blanches, viens.